Che cos'è la psicoanalisi? Ci dia una definizione. Wow! C'est une expérience. Et une expérience. C'est une expérience unique qu'un sujet fait, en général poussé par une souffrance psychique. Voilà. Et c'est aussi un discours. Cette expérience se déploie dans un discours très spécifique, complètement en rupture des autres discours sociaux. Un discours que je caractériserais comme Lacan le fait clairement à la fin de son enseignement, mais comme déjà ses présences chez Freud à l'écoute des premières patientes hystériques, c'est un discours qui n'est pas de domination. Ni d'influence. In che cosa quindi la psicoanalisi differisce dalle altre pratiche psi? Elles sont en général toutes dominées par une définition préalable de ce qui est bien pour le patient. Ha senso quindi oggi come oggi andare da uno psicoanalista? Perché si dovrebbe andare da uno psicoanalista? Parce que on a un symptôme qui se répète et qui, même si dans l'enfance où il a été construit, il a été une solution à un conflit psychique insupportable, avec le temps, son côté solution est moins fort que son côté impasse. Donc on vient pour parler de ce symptôme qui se répète, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie affective, dans la vie amoureuse, ce point de butée, ce point d'achoppement qui rend la vie compliqué et insupportable. Bene, però i concetti inventati da Freud di inconscio, pulsione, transfert, interpretazione potrebbero essere concetti che possono considerarsi superati o troppo concettuali, troppo filosofici. È così oppure sono invece riguardano il reale della persona. Ça regarde le réel de la personne. L'inconscient, ce sont des formations, ce sont des lapsus, ce sont des symptômes, ce sont des actes manqués, ce sont des rêves. C'est concret tout ça. Tout ça, ça fait partie de la réalité quotidienne. Si par exemple je veux aller à tel endroit et que je me retrouve dans une autre rue, ben c'est concret. Et pourquoi donc? Alors on peut dire il n'y a pas de raison à ça. Bien sûr qu'il y a une raison. Soit j'ai pas écouté, soit je voulais pas y aller, soit évidemment. Donc l'inconscient, ce sont des phénomènes de la vie quotidienne qu'on peut mettre dans la parole la plus banale. Bon, le transfert. Écoutez, le transfert, c'est pas, il n'y a pas que la psychanalyse qui s'occupe du transfert. La vie entière est fondée sur le transfert. Un petit enfant qui va à l'école, tout le monde sait que s'il aime le professeur, il aura des bons résultats. S'il ne l'aime pas ou se sent pas aimé, il aura des mauvais résultats. Donc le transfert, c'est un ciment du lien social, que ce soit sur le versant de l'amour, ou que ce soit sur le versant de l'ambivalence, ou que ce soit sur le versant de la haine.
mais c'est un ciment. Donc le transfert aussi, c'est... Freud le dit, finalement, l'amour de transfert à la personne à laquelle on parle, c'est pas différent de l'amour qu'on a pour d'autres. Parce que ce que Freud découvre, c'est que quand un sujet peut parler à un autre, spontanément, il l'aime. Les sujets aiment être écoutés. Les petits-enfants aussi. Tout le monde sait ça. Donc tous les concepts que vous venez de me dire, qui sont aussi des concepts de l'épistémique, épistémologique de la psychanalyse, qui est aussi une théorie de sa pratique, sont des choses qui appartiennent à la vie quotidienne. Bene, ma la psicanalisi oggi può essere riassunta nelle neuroscienze? È questo il nemico numero uno della psicoanalisi? Ah ben non, pour moi les neurosciences c'est pas du tout un ennemi. Vraiment pas. Je trouve passionnantes les approches cognitives. Les comportementalistes, pas du tout. Mais essayer de déchiffrer le fonctionnement mémoriel et cognitif, c'est très intéressant. Ça ne me gêne pas du tout. C'est simplement que ce ne sont pas des expériences. Ils n'arrivent pas à faire de ce savoir une expérience subjective digne de ce nom. Tout de suite, ils tombent dans un discours de domination qui consiste à dire au sujet ce qu'il doit faire, quand il doit faire. Donc, il ne laisse pas l'être ou le sujet dans son désir advenir. Mais sinon, moi, ça m'intéresse beaucoup. On n'est pas complètement un débile hein, quand on est psychanalyste. On sait bien que le cerveau, ça existe. Mais on sait qu'entre le cerveau et la conduite humaine, il y a un gap, il y a un trou. Et que ça, c'est lié au fait que nous parlons. Ce trou n'existe pas dans l'animal quand il n'est pas domestiqué, mais chez les sujets parlants, avant même de naître, naissant dans un monde où la parole est le seul moyen de se lier au social, ce gap entre le cerveau et l'acte, on va dire, ce gap, c'est l'inconscient, c'est-à-dire que c'est la structuration du langage, du discours et de la parole.